En 2011, la première fois, j'ai perdu. J'avais la rage. On était très, très remontés avec mon camp, parce que quand on gagne, logiquement, et qu'on vous met perdant, bah ça fait doublement un goût amer. En 2015, j'aborde le combat confiant, peut-être même un peu trop confiant, et j'ai fait quelques petites erreurs au niveau de mon régime, et je l'ai payé sur le ring. Là, je perds logiquement. J'étais complètement lessivé. J'étais frustré et remonté par rapport à... Bah, c'était entièrement de ma faute. Après cette défaite... Quand je suis rentré chez moi, c'est là que vraiment je me suis dit où je continue sur ce chemin-là et je gagne encore quelques titres. Ou je me remets vraiment en question et je gagne tout. À 100% dans la prépa physique, dans la nutrition, dans la partie technique, rien laissé au hasard pour être au top du top. Plus de travail, plus d'acharnement. En 2016, je me suis dit, t'as plus le droit de perdre. J'ai perdu deux fois, il n'y aura pas de troisième fois.